Bonjour. Eh oui, c'est moi. Ça fait 15 jours que je n'avais pas déposé une vidéo sur YouTube. Nous sommes le dimanche, maintenant je vais faire le dimanche, mais je les déposerai lundi, mardi et mercredi, selon les comptes Facebook. Si je suis là aujourd'hui, c'est parce que je voudrais vous dire que je suis à la recherche d'un emploi. Comme vous avez vu le générique, hein, que j'ai constitué moi-même par mes propres moyens avec Internet et tout et tout. Donc ça prouve bien aussi que je connais Internet. Voilà. Sinon, j'ai recherche du travail dans le domaine des massages, informatique ou autre. Voici donc un premier attestation de stage et réussite à l'examen en informatique en 2006. Le voici. Hein, c'est bien reconnu par l'État. Je suis aussi en possession depuis 15 jours maintenant, plutôt une semaine, d'un certificat de compétence de citoyen de sécurité civile PSC1. Donc ça veut dire le premier secours civil que j'ai effectué à la Croix-Rouge française, certificat de formation et tout. Donc voilà. Je suis aussi en possession d'un diplôme de masseur qui a été formé pour les massages amincissants, anticellulite, relaxants. Voilà, c'est une formation que j'ai réalisée pendant quelques mois, quelques années même, on va dire, puisque j'ai eu ça pendant 2 ans. Cette formation a été réalisée du 24 mars 1999 au 23 mars 2001 inclus. Examen passé le 4 juin 2001. Voilà. Voici ce diplôme de massage, de masseur plutôt, hein, puisque massage, c'est un savoir-faire. Et le masseur, c'est moi le masseur. Voilà. Donc je suis aussi à la recherche de tout autre emploi comme le commerce, tout à savoir que je voudrais un emploi à mi-temps, c'est-à-dire à mi-temps 20 heures par semaine, ou alors dans les médiathèques, car je connais bien la musique et ça serait plutôt mon domaine que j'effectuerais. D'ailleurs, je vends beaucoup de vinyles actuellement. J'en ai 6 000 à vendre. Donc voilà, j'espère que vous trouverez ça. J'ai aussi mis cette annonce sur Le Bon Coin pour le disque et de vinyle, aussi de quelques autres articles, des petits électroménagers et autres, car j'ai besoin de financement. Effectivement, la CAF me donne 448 euros sur 550 euros. Donc, je ne sais pas pourquoi j'ai autant de baisses de CAF comme ça, de RSA, on va dire. C'est un revenu que je trouve un peu faible. J'aimerais bien qu'on réaugmente, pas que pour moi, mais pour tout le monde, le RSA, au moins qu'il soit élevé à 700 euros net, sans retenue. Par contre, il y a une chose aussi que je voudrais vous demander, c'est que je cherche aussi du travail dans le sud de la France en tant que serveur pour la saison de cet été. J'espère qu'on va bien m'écouter cette vidéo car elle est essentiellement intéressante. Car je suis aussi naturiste de renom. J'ai une carte qui a été faite par la Fédération française des naturistes, FFN. Voilà, je l'ai eue, c'est ma 2e année que j'ai récupéré cette carte, et j'espère que vous allez me prendre. En tant qu'animateur aussi, je sais faire de l'animation pour les enfants, et autres. Je ne fais pas que ça. J'ai été aussi arbitre de football de grande qualité, puisque j'étais arbitre de football au Cameroun. Voilà, de première division. J'ai même arbitré la finale du Cameroun en 2004, féminine. Voilà. Plus précisément, en 2003, je me suis trompé d'une année. Ça arrive à beaucoup de monde de se tromper. Bon, cependant,
J'espère que vous allez écouter cette vidéo car j'ai besoin de travailler, j'ai besoin de gagner un peu d'argent pour pouvoir payer mes factures. Car aussi, je suis dans un logement, bon, je n'ai pas de téléphone fixe malheureusement parce que je n'ai pas de prise de téléphone. Et je voudrais bien savoir quel est le fournisseur qui peut me fournir cette prise de téléphone gratuitement. Parce qu'il y en a marre. On est dans un logement de Picardie Habitat. Et ils fournissent des logements, or que ce n'est pas normal. Je devrais pouvoir avoir une prise de téléphone pour pouvoir accéder à Internet correctement. Là, j'ai Internet, mais je suis chez Bouygues Télécom, et bien, malheureusement, il n'y a pas de concurrence à ça. Donc, je paye 40 € pour cette Medibox 4G. Bon, une très bonne connexion, ça, je n'ai pas à le regretter. Mais j'étais obligé de prendre un autre forfait pour mon téléphone portable, c'est-à-dire 20 € au lieu de 5 € que j'avais avant. Ça fait donc 60 € pour le mois. Sans réduction, sans rien. Et la première facture que j'avais eue a dépassé 80 €. Mais j'ai quand même fait bloquer le forfait pour ne pas dépasser le montant 60 €, que je trouve un peu excessif. Par contre, maintenant, je veux vraiment trouver du travail. J'habite à Noyon, dans l'Oise, dans le 60, en France. Et j'espère trouver rapidement, car c'est très difficile de vivre avec 448 €. Surtout que vous êtes obligé d'aller voir à cause d'un divorce ridicule, je le trouve. Et j'aimerais dire que je ne suis pas responsable, ce n'est pas moi qui ai demandé le divorce, donc je ne devrais pas dépenser quoi que ce soit pour ce divorce, même pas les déplacements. Bref, ça c'est une autre chose. Maintenant, j'ai mon permis de conduire, mais j'ai pas de voiture, malheureusement. Ça coûte trop cher aujourd'hui, on ne peut pas trouver une voiture à 200 €, puisqu'elles sont interdites sur l'État de France. Et ces voitures-là qui sont interdites, figurez-vous qu'on les envoie là-bas en Afrique. Je trouve cela scandaleux. Après, on va dire que c'est eux qui polluent. Eh bien non. Eh bien déjà, c'est l'État français qui envoie les voitures, les vieilles carcasses, on va dire, en Afrique, pour qu'ils fassent des voitures même, qui sont même pas des fois aux normes, puisqu'ils se servent de plusieurs moteurs pour faire mettre dans une voiture. Bref. Ils font le système D et j'en suis fier de ces gens-là. Mais là où il y a un gros problème, c'est que je cherche vraiment du travail. Le métier qui me plairait bien, c'est d'être dans une médiathèque au lieu de pouvoir faire dans le service social d'une association, par exemple, humanitaire. Ça me conviendrait très très bien. Bon, alors maintenant, si vous voulez me contacter, ben, il suffit juste de m'envoyer un message sur mon compte, sur cette vidéo, avec me disant que vous souhaitez me voir rapidement, sachant que je habite à Noyon et que je n'ai pas de véhicule. Bref, le problème est là, mais si vous êtes prêt à me prendre de suite, je suis prêt à aller dans le sud de la France pour aller travailler même dans des camps naturistes, puisque je suis naturiste. Je peux faire l'animation, je peux faire la radio, je peux faire beaucoup de choses, même dans le commerce. Je peux être serveur au sein d'un petit restaurant, bar-restaurant. Voilà. Mon souhait, c'est de trouver du travail très très vite. Voilà. J'espère que vous avez compris mon message et je vous envoie sur le générique de fin de cette vidéo. La semaine prochaine, je vais vous parler d'autres choses de plus concrètes. Voilà. Sur ce, je vous laisse et je vous dis à très bientôt et à la semaine prochaine. Au revoir, les amis.